Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce jour. Alors, juste avant de faire le tirage, qu'est-ce que je dois faire, hein? Ce tirage, je vais répondre à une question. Qu'est-ce que je dois faire si vous hésitez entre deux situations? Alors, c'est vraiment un dilemme, hein? C'est vraiment si vous avez hésité entre est-ce que je viens pas, est-ce que je reste, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je l'appelle, est-ce que je l'appelle pas. Bref, vous avez un dilemme, vous ne savez pas quoi faire. J'ai un dilemme, hein? Eh bien, on va répondre à ça, hein? On va aller vraiment vous mettre deux options sur la table pour que vous en ayez que deux, hein? Vous en sélectionnez que deux. Et puis, on va aller répondre à ça et donner des conseils par rapport à ça. Ça va être le tirage du jour. Juste avant, petite info, l'actualité du moment, c'est les initiations aux flammes violettes, bleues et rubis dorés. Ça y est, les dates sont arrêtées, elles sont présentes, il reste des places, hein, c'est les dates du moment. Donc, vous allez sur Apophila, j'ai mis le lien hein, dans la barre d'infos, hein, vous allez sur Apophila, tout est expliqué pour pouvoir rejoindre ces initiations, à quoi elles servent, nanana. Bref, voilà, ça c'est l'actualité parce qu'il n'y aura pas de date avant septembre maintenant. Donc, pour ceux et celles qui voudraient en profiter là pour les faire, vous pouvez tout à fait faire les trois. Hein. Je les ai mis dans l'ordre exprès. Violette, bleu, rubis doré pour que vous soyez en tout cas j'ai commencé par la violette pour que vous puissiez en faire deux ou voire trois. C'est tout à fait possible de s'initier en même temps à plusieurs flammes. Quand on fait ça, il faut commencer par la violette. Et si vous avez déjà la violette, ben, vous pouvez faire les deux autres. Alors, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a une nouveauté sur Apophila, hein, que j'avais vraiment envie de vous présenter. En plus des packs qui étaient tout faits, qui répondent aux blessures, on a créé une rubrique qui s'appelle Pack sur mesure, dont vous avez la possibilité de vous créer, comme je l'ai fait pour moi, pour l'occasion de la nouvelle lune, de vous créer votre pack personnel du moment. Hein, donc ça, c'est sur Apophila, c'est nouveau, c'est pareil, j'ai mis le lien dans la barre d'infos. Hein, vous m'expliquez votre problématique, vous m'expliquez s'il y a une pierre qui vous attire particulièrement en ce moment. Et moi, je vous canalise les bonnes pierres pour la bonne problématique et vous le recevez énergétisé, canalisé, préparé uniquement pour vous. Voilà, ça c'est le sujet du moment. Hein. Et il reste toujours les packs tout prêts et ou le bar à cristaux. Vous faites votre choix vous-même des pierres dont vous avez envie et besoin. Et évidemment, les bougies sont arrivées, mais ça, je l'ai déjà dit. Allez, on y va. J'ai un dilemme. Qu'est-ce que je dois faire? J'hésite entre deux situations, deux solutions. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, on va aller regarder ça de plus près. Alors, en premier, on va aller voir la première, on va aller mettre la première possibilité. Hein, voilà, la première possibilité, voilà. Ensuite, là, on va aller mettre la deuxième possibilité. Ici, on va mettre ce qui est important pour vous, ce dont vous avez besoin avant tout, hein, ce qui est vraiment essentiel pour vous. Ensuite, là, qu'est-ce qui se passe si je fais le premier choix? Qu'est-ce qui se passe si je fais le deuxième choix? J'irai pousser la vidéo, ce sera mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on va changer de jeu, on va mettre un conseil. Voilà, pour vous aider à faire le bon choix. Voilà, vous pouvez poser les deux problématiques sur la table. Et après, ben, vous avez votre libre arbitre, hein. Premier choix, deuxième choix, ne pas perdre de vue ce dont vous avez absolument besoin, hein, ça va vous éclairer pour faire votre choix. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe si je fais le premier choix? Qu'est-ce qui se passe si je fais le deuxième choix? Et le conseil, le magnifique conseil des guides. Avec tout ça, si vous n'arrivez pas à prendre la bonne décision, ben moi je ne sais plus quoi faire pour vous. Alors, premier choix, la première possibilité pour vous, c'est quoi? La première possibilité, c'est un nouveau départ, c'est de prendre ce nouveau départ, même si c'est difficile. Hein? Oui, c'est difficile, oui, il y a de la tristesse, il y a de la rancœur, il y a de la mélancolie, il y a du regret, il y a du « ah, j'aurais voulu que ça se passe différemment »,« ah, je voudrais que ça se passe mieux »,« ah, nanana ». Oui, il y a tout ça, on le sait, on l'a bien senti. Mais malgré tout ça, les guides sont en train de vous dire « tu peux, si tu veux là, prendre un nouveau départ ». Il y a un nouveau départ qui est possible et ça c'est un choix que tu peux faire. Et ce n'est pas parce que c'est difficile que tu ne peux pas le faire. Ça, c'est ton premier choix. Ton deuxième choix, on a la force et la purification. Ton deuxième choix, c'est de passer en force sur quelqu'un ou de rester de force dans une situation simplement en la nettoyant. Hein. Donc, tu as deux options. Soit tu restes, tu as deux options. Soit tu restes et tu dis, on va nettoyer, on va préparer, on va réparer, on va transformer. Mais ça, on sent quand même la force, donc c'est pas facile. Ou alors, tu dis, bah non, hein, malgré tout, bon, je lâche l'affaire, je m'en vais. Hein. En gros, c'est un peu ça. Hein, c'est, je reste ou je pars, quoi. Hein. Les deux options sont sur la table. Tu as raison de te poser les questions parce que les deux options sont vraiment sur la table. Hein. C'est, est-ce que je lui donne une seconde chance? Est-ce que je m'en vais?
Hein, en gros, ça peut être ça. Hein. Bon, alors, on sait bien que c'est toujours difficile parce qu'on a toujours l'impression, on se dit, bah ouais, mais est-ce que j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait? Est-ce que j'étais assez persévérante? C'est pareil pour un boulot. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête sur un projet? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Eh ben, voilà, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que la tienne. Eh ben, on va aller voir ce qui se passe en fonction des deux. Mais avant d'aller voir ce qui se passe en fonction de si tu t'en vas et que tu passes à autre chose, ou si tu essaies de réparer, de transformer ce truc, même si je sens que ça demande beaucoup de travail quand même, hein, ça ne se fait pas tout seul, c'est pas fluide. On va voir quel résultat il y a et après on te donne le conseil. Mais avant, on va aller voir de quoi tu as vraiment besoin. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi aujourd'hui? Ben, ce qui est essentiel pour toi aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute de ton âme et de ton cœur et de ne pas tenir compte des incertitudes et la papesse, c'est. Malgré tout le bordel, entre guillemets, si je puis me permettre, qu'il y a autour de moi, malgré toutes les incertitudes, parce que je ne sais pas, je ne connais pas les issues de l'un ou de l'autre, je ne sais pas lequel va être meilleur pour moi. Tu sais que ce qui doit te guider, c'est que ça réponde à une demande de ton cœur et de ton âme. En gros, on est en train de te dire, écoute ton cœur. Mais ça, c'est pas facile d'écouter son cœur, hein. C'est pour ça qu'on va venir t'aider, là, dire qu'est-ce qui se passe si je choisis un, qu'est-ce qui se passe si je choisis l'autre. Hein, c'est ça qui peut guider ton cœur. Mais en tout cas, la réponse définitive, c'est d'honorer ta partie divine, c'est d'honorer ta divinité, d'honorer tes valeurs, hein, ça se traduit comme ça, d'honorer qui tu es vraiment. Voilà. Alors, maintenant, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe si tu décides de lâcher, de laisser tomber, de ne pas donner de seconde chance, de ne pas réessayer, de ne pas répondre, bref, de passer à autre chose. C'est-à-dire, non, trop tard, même si c'est dur, moi j'ai envie d'un nouveau départ. Qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est quoi le résultat? Eh bien, le résultat, on a l'empereur et le refuge, c'est qu'enfin, tu vas pouvoir complètement reprendre les rênes de ta vie en main. Mais, il y a quand même un petit bémol là-dedans, donc je préfère te le dire, ça va passer par un moment de solitude. Donc, si c'est quitter quelqu'un, si ça correspond à une situation amoureuse, dans un premier temps, ça va passer par un célibat, mais qui est nécessaire. Ça veut dire que tu vas, n'attends pas d'avoir, en gros, c'est le message, et n'attends pas d'avoir rencontré quelqu'un pour partir, et attends-toi à vivre une période de célibat quand même un petit peu importante. De toute façon, tu vas avoir envie de te remettre sur toi-même, hein. Mais en même temps, alors il y a les deux côtés, mais en même temps, tu reprends complètement, tu deviens complètement autonome, indépendante, c'est toi qui décides de ta vie, donc ça peut être un divorce, une séparation, hein. Mais il y a un peu de solitude, et oui, et ça, tu vas devoir le faire seul, et ça peut être compliqué quand même, surtout si t'as pas l'habitude. Mais en même temps, c'est le refuge, hein. C'est un côté sympa, tu deviens ton propre maître, tu reprends les clés de ta Ferrari. Voilà ce qui se passe si tu prends ce nouveau départ. Mais ça veut dire un peu de solitude, très clairement. Alors maintenant, si tu décides que tu vas purifier cette situation, la nettoyer, passer, essayer de passer en force pour faire. Allez, si tu dis, allez, j'ai pas encore tout essayé, j'ai envie de t'en faire encore un peu plus, qu'est-ce qui se passe? Si tu dis, je lui redonne une seconde chance, une troisième, une quatrième, une cinquième, qu'est-ce qui se passe? On a le monde et la confusion. Eh bien, on a les deux. Il va y avoir. Alors, il y a quand même. Si tu décides de faire ça, ça peut être extrêmement positif, mais tu vois, dans les deux côtés, on a le côté positif et le côté un peu négatif. Ça va s'améliorer, la relation, hein, ou la situation va s'améliorer, mais ça reste quand même un petit peu fragile et confus. C'est pas serein. Voilà, hein, ici, en fait, en gros, si je résume, ici, ça devient hyper serein, hyper tranquille. Le refuge, c'est ça. Tu retrouves du calme, de la sérénité, de la stabilité, de l'autonomie, mais de l'autonomie et de l'indépendance. Et tu dois te débrouiller un peu seul, hein, c'est clair, hein. Et ici, tu es encore avec cette personne dans cette situation. Oui, il se passe des belles choses. Oui, hein, t'es pas seul. Il peut se passer des belles choses, mais c'est quand même pas stable. Hein. C'est quand même très compliqué. C'est pas fluide. C'est pas ça. Ça va pas être de tout repos. Mais il y a des bons moments à vivre. Très clairement, il y a des très bons moments à vivre. Donc voilà. Alors, on va quand même reposer des cartes là-dessus pour aller voir, pareil, pour aller y voir un peu plus clair. On va changer de jeu. Alors, si tu décides de partir et de passer à autre chose, on avait l'empereur avec le jugement, la reconnaissance. Hein. Il y a quand même, c'est quand même beau. Hein. Tu peux enfin réaliser la vie de tes rêves. Hein. Tu peux enfin réaliser, mais il y a des épreuves. Ouais, il y a des épreuves à passer. Parce que j'ai l'impression que si tu fais ça, tu vas gagner ton autonomie. Tu vas aller chercher, gagner ton indépendance, sortir d'une dépendance affective. Ça peut être ça, ou d'une dépendance financière et matérielle, peut-être. Hein, si tu prends un risque. Alors,
Donc, c'est beaucoup de... C'est le résultat sera à la hauteur de la difficulté que tu vis. Ça peut faire peur. L'épreuve, c'est que ça peut te sembler difficile. Hein. Ça peut te sembler difficile à faire. Tu peux avoir peur, simplement. Mais en tout cas, ce qui t'est promis, c'est quand même la reconnaissance. Hein. Tu vas être soutenu. Hein. Mais ça passe par un moment de... Eh ben, il faut le faire, quoi. Il faut sauter le pas, quoi. Il faut sauter dans le vide, il faut y aller. Et ça peut être difficile et tu peux en avoir peur et tu peux te sentir un peu seul, un peu dans cette décision. Maintenant, si tu fais le choix de donner une seconde chance, de encore réessayer, de passer un peu en force dans ce truc-là, à dire allez, j'essaie encore un peu, eh bien, on t'a dit oui, il y a de l'épanouissement, mais c'est quand même extrêmement fragile. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. On va changer de jeu encore une fois pour être sûr d'avoir toutes les arcanes. Et puis après, on ira chercher les conseils. Donc, où est-ce qu'elles sont mes petites cartes? Il est où mon jeu là? Attendez, excusez-moi, je cherche un jeu que je ne trouve pas. Où es-tu? Où es-tu? Je te vois pas. Bah mince alors. Ah, t'es là. Suis-je bête? Tu es là. Alors, c'est épanouissant, mais c'est pas simple. Mais c'est pas fluide. C'est pas de tout repos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pendu, il y aura des moments encore, tu vois, si tu restes là-dedans, va encore y avoir des moments de blocage, de, c'est pas fluide, quoi. Voilà, ça se fait pas tout seul, hein. Ça se fait pas tout seul et ça demande quand même d'être extrêmement honnête et clairvoyant. C'est-à-dire que, en gros, on te dit, oui, tu peux redonner une chance à cette histoire, mais il faut quand même que tu saches que ça va pas être un long fleuve tranquille. Donc, en gros, si tu as envie de retrouver du calme, de la sérénité, voilà, si tu as un vrai besoin de calme et de sérénité, le conseil, c'est plutôt de passer à autre chose, même si ça te semble difficile, même si ça passe par un moment de solitude. En revanche, si tu penses que tu as encore de l'énergie, que finalement, ça en vaut la peine, que, eh bien, tu peux y aller, mais il faut y aller en conscience parce que c'est pas simple. Il y a du boulot, ça va pas passer comme une lettre à la poste, il y a de la résistance en face, pas forcément la personne, mais il y a les énergies qui résident, donc il va falloir un petit peu passer outre ça, et ça va demander beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Donc, si tu as du temps, de l'énergie à investir, oui, si tu en as plus, si tu es au bout, exsangue, fatigué, passe à autre chose. Allez, conseil des guides. On a le pape et la libération. Quoi qu'il arrive, te disent les guides, la décision que tu prends doit être vécue comme une libération. C'est-à-dire que c'est vraiment fait, c'est vraiment un choix. On a le pape et la papesse et le pape, c'est un choix de cœur. C'est toi qui décides. Ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas rattraper, ni par tes peurs, ni par les autres. Fais ton choix avec le cœur. Ce n'est qu'un choix de cœur que tu dois faire. Et ça doit, tu dois te sentir, une fois que tu auras pris ta décision, donc prends le temps, tu dois te sentir bien dans ta décision. Si tu décides de rester, de continuer, de réessayer, oui, tu vas en conscience, tu sais que ça va être compliqué, tu sais que ça va être instable, tu sais que ça va demander beaucoup de travail et du temps, très clairement, ça ne va pas s'arranger comme ça en 3 minutes et demie, mais tu es content de le faire. Si en revanche, tu décides de partir, tu sais que tu te libères définitivement, que tu retrouves beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, beaucoup aussi de liberté, très clairement, mais ça en passe par, ben, c'est le prix à payer, c'est que tu vas te débrouiller un peu seul, voilà, hein. Et t'es obligé de le faire et ça demande beaucoup de travail et ça va te demander aussi, c'est pas la même énergie, les deux situations demandent de l'énergie, mais pas la même. Allez, pour terminer, une petite carte des portes de l'intuition, on va mettre une sur chaque. Alors, si tu décides de passer à autre chose, on te dit le pont du futur. Envisage le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Si tu t'engages sur la décision de passer à autre chose, il faut que tu fasses un travail de visualisation du meilleur tout le temps. Fais un tableau de visualisation, fais des méditations de visualisation et tout ira bien. C'est un chemin, mais tu le feras. Si tu décides de donner une seconde chance de rester, qu'est-ce qui vient ? On te dit la manipulation. Bah ouais, c'est toujours la même chose. Maîtrise tes pensées négatives. Ne maîtrisez vos pensées négatives. Ne vous laissez pas manipuler par elles. Là, on vous dit, fais-le en conscience. Ne te fais pas, tu peux redonner une seconde chance à cette situation, à cette personne, je ne sais pas. Mais ne te fais pas d'illusions. Ne t'illusionne pas toi-même. Et attention à aussi faire bien rester dans des pensées positives. C'est pas la peine de rester dans cette situation si tu penses que ça va être conflictuel, que ça va être la guerre, qu'il va falloir se battre. Non, ça, c'est pas les bonnes énergies. Ça veut dire que tu y crois et que tu vas tout faire pour, mais que tu vas accepter que ça va demander du temps et du travail.
Voilà, eh bien, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous rappelle quand même que en dernier ressort, vous êtes seul décisionnaire. Hein. Les cartes, les tirages, quels qu'ils soient, ce ne sont que des aides et des soutiens. Ça ne se substitue en aucun cas à votre libre arbitre. Je vous souhaite une très, 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 très belle journée et on se retrouve tout à l'heure, hein, à midi, en live sur Insta pour le tirage du jour. Bye bye!